Tokonao, on aime danser. Aujourd'hui, on célèbre l'anniversaire de la Vierge d'Urkupiña. Et là, c'est moi. Je m'appelle Sébastien. J'ai 12 ans et je suis en 6e. J'habite à Tokonao, au nord du Chili, dans le désert d'Atacama. Lui, c'est mon grand-père. Il s'appelle Miguel. Je l'appelle papi. C'est comme mon deuxième père. Et acá, el corte no tiene que ser así derecho como un corte angular. Acá tiene que ser en triángulo, así para aquí, ¿no? Para este, la, este bota una agüita después. Y eso para que no le queme la, al brote que va a salir acá. Eso. Un poquito más lejos tenés. Corta esta, ahí córtalo. No, para. Tiene brote. Ahí córtalo, al ladito. ¿Así o ahí? Derecho no, derecho. Ya, sigue más para. Córtame eso. No, eso no, este lo grueso. Tienes que dejarle pelado el tronco. Haz el guante ese. Ahí pica. Y el oso. Mañana habían ido, ¿no? Sí. Como salir de clase, tenemos. Elle, c'est ma maman. Elle s'appelle Claudia. Elle garde mon petit frère. Elle travaille et s'occupe de tout à la maison. J'aime bien la voir comme maman. Elle est toujours attentive à ce que je dois porter à l'école ou à mes devoirs. ¿No tiene entrenamiento de judo? Lui, c'est mon père. Il s'appelle Daniel. Il travaille à San Pedro pour l'observatoire d'Alma, dans un lieu où il y a beaucoup de technologie. Mais lui, il est juste le gardien. Oye, yo estaba viendo en internet un video de los cabritos chiquitos. Bailan, salía acá en un concurso y sacan el segundo lugar. O sea, ¿dónde no? Pero bailan bonito, cabritos chiquitos. Je ressemble beaucoup à mon père. Ma maman dit qu'il aimait bien danser quand il était jeune. Et lui aussi jouait au foot. Et il était très fort. Parece que se formó otro equipo de mujeres en Tokoná. Me dice anda a jugar, está ahí loco. No te caigas, no.
J'étudie à l'école E21, qu'on appelle aussi Centre d'éducation de Tokonao. Ici, j'ai beaucoup d'amis. Mais ceux que je vois le plus, c'est Roberto, Felipe, Jaime, Michael. On se voit surtout à l'école. On joue ping-pong, au foot. Vayan sacando el cuaderno. Lo que vamos a ver en la clase de hoy va a ser un poquito relacionado con la cultura Licanantay, que varios de ustedes son descendientes de esta misma cultura, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ah, ya. Les voy a entregar una guía. Elle, c'est Gabrielle, ma prof d'histoire. Elle est arrivée seulement cette année, mais je pense qu'elle aime bien Tokonao. Elle a appris beaucoup de choses de notre village et de nos traditions. J'aime bien ce cours. Maintenant, je comprends mieux. Avant, j'avais du mal à suivre. Avec elle, ça va mieux. ¿Saben qué significa tacameño o no? O Licanantay. Habitantes del territorio. Ustedes bien sabrán que la cultura Licanantay tiene un sincretismo cultural muy grande. Sincretismo es la mezcla de dos culturas. Cuando llegaron los españoles a América, ocurrió un sincretismo cultural, porque se mezclaron las tradiciones que venían de los españoles con las tradiciones de los pueblos originarios de América. La Pascua ya es una tradición de la Iglesia Católica. ¿Cuál es la principal creencia que tiene la cultura Licanantay? El tributo a la tierra. ¿Y qué tienen que ver los volcanes con la madre tierra? Los volcanes son los protectores de la cultura Licanantay. ¿Cuál es nuestro mayor protector en este momento? El Licancabur, muy bien, el más grande de todos los volcanes. Mon papa me disait qu'avant, il n'y avait pas d'internet ici. Il était très difficile d'étudier. Maintenant, c'est plus facile parce qu'on peut chercher des mots ou des infos. Sur internet, je regarde des vidéos, j'écoute de la musique. Mais je l'utilise surtout pour jouer avec des jeux à la mode, les jeux qu'on joue en ligne. C'est ma mamie, elle s'appelle Tita. Parfois, quand je n'ai pas d'école ni de devoirs, je me lève tôt et je viens l'aider à faire du pain ou des gâteaux. Trata, intenta que le estás diciendo, porque está bien blandito, se va a pegar en tu mano. Quiere hacer un pancito, él dice. Lui, c'est mon petit frère. Il s'appelle Daniel. Il a 3 ans, il est très malin.
Et selon ma maman, il fait les mêmes bêtises que moi je faisais à son âge. Je l'aime beaucoup. J'aime bien sortir avec lui, jouer au ballon, ou faire n'importe quoi ensemble. J'ai une grande admiration pour ma grand-mère, car elle travaille dur. Grâce à tout ce qu'elle fabrique, elle gagne son argent et peut s'acheter des choses, des médicaments. Eso, mira. Rápido los manejo. Ya. Ya trae otra lata. Sí, ya trae otra lata, trae otra lata. No tiene que ver la cabeza, cette semaine, on fête l'anniversaire de l'école. J'aime bien parce qu'il n'y a pas de cours et il y a plein d'activités organisées par les professeurs. Perfecto. Rápido, rápido, Eleazar. Rápido, hijo. ¿Cómo estamos, Sebastián? Bien, bien, hijo. Un poco tarde, pero bien. Lo que primero tengo que tener, ¿qué es? Perfecto, Sebastián, que es la confianza. Segundo, ¿cuál fue? La empatía. Y terminamos con razonamiento moral. Perfecto, Sebastián. ¿Y eficacia? Eficaz, ser eficaz, llevar a cabo, ¿cierto?, un ejercicio. Si tenemos esos dos puntos, auto de uno mismo y eficaz. Mon entraîneur s'appelle Jesús. Il est très cool. Il nous soutient toujours, mais quand on fait mal les choses, il nous incite à nous améliorer et à tout donner sur le terrain. Uno, dos, tres. Muy bien, chiquillos. Partimos. Trota un 50%, vamos a ir subiendo la intensidad. Vamos, suave. Mantenga el trote suave. Quand je serai grand, j'aimerais être footballeur professionnel. Caminando.
et jouer pour le Chili ou dans un club étranger. Mais je sais que c'est très difficile. Il faut s'entraîner beaucoup et avoir une excellente condition physique. Respiro arriba. 10 segundos. Vamos, 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 vamos. Controle el balón, Eleazar. ¡Anda, Mati! Ya se va, te fuiste. Acompáñelo, acompáñelo. Je fais partie d'un groupe de danse religieuse, El Tinku Pauna Puhilai, qui signifie « joyeux ami ». Moi, je danse depuis que j'ai 3 ans, avec mon papa. Mon père s'est inscrit dans le groupe depuis sa création. Cela fait 8 ans. Je suis Promessant, de la Vierge del Carmen. Car quand j'étais petit, j'ai eu un accident. Je suis tombée d'une falaise. Et ma maman a dit que c'était la Vierge del Carmen qui m'avait sauvée et qu'il fallait payer cette dette envers elle. Donc je me suis fait Promessant et je danse pour la Vierge depuis que j'ai eu l'accident. C'est fatigant parce qu'on met beaucoup de vêtements. Et les orotas, les sandales que l'on utilise, ont parfois des clous qui dépassent. Ce n'est pas très confortable. Mais c'est un sacrifice que l'on fait pour la Vierge del Carmen. Mira, cada cancha que hay, mira, te fijas, está como escarbado así, como cavado. Ahí, en todos lados, mira. ¿Viste? Están como canteritas. Ahí es cuando nosotros veníamos con burro, porque no había vehículos ese tiempo. A veces llevábamos en el tractor. Y aprovechábamos de llegar a veces en el tractor piedra. Pero más antes empezó la artesanía. Por acá hay piedra, mira. En el peso tenés que... Se conoce la piedra. Tenés que ver el peso y tenés que ver este color. Por fuera no se nota mucho porque el viento le gasta cuando es blanda. El viento le va gastando. Entonces uno escoge para hacer lo que quiere hacer. O sea, lo que...
el color por lo menos es bonito. Esta la vamos a hacer, con una escuadra. Córtele. Ahí y ahí. Con esto, pero con cuidado, más es retirarla, no, porque no. Tenéis que apoyar bien la piedra. Este vaya a botar. Je reste ici jusqu'à ma cinquième. Après, j'irai à la ville de Calama. Et si j'ai mon bac, il va falloir que je trouve une université. Ma maman verra où j'irai. Elle veut m'envoyer en Argentine parce que là-bas, l'université est gratuite. J'ai grandi dans ce village. Ma famille et mes amis sont ici. Ça va me faire mal au cœur de partir. Mais je sais que je reviendrai toujours à Tokonao.